Le CHU de Rouen accueille, jusqu'au 30 septembre 2022, une exposition de textes et de photographies autour du thème « Mon corps et sa mythologie ». Ces réalisations sont le fruit de la résidence de la compagnie Rémusa auprès des adolescents hospitalisés dans le service de médecine et psychopathologie de l'adolescent du CHU. Sensibilité m'a au début causé du souci. Chaque parole, chaque acte, émotion m'amenait aux larmes. Je me noyais dans cette mer agitée et personne ne m'envoyait de bouée. Par la suite, j'ai appris à la contenir un minimum pour pouvoir avancer dans cette grande épreuve qu'est la vie. Durant 2 mois, une dizaine de jeunes, âgés entre 12 et 18 ans, ont suivi des ateliers d'écriture et de photographie autour du corps. Puis les mots du ventre. Et une fois entrés entièrement dans l'eau, entendre ce bruit sourd et rassurant. Le point de départ, c'était comment on hérite parfois de la vie de nos ancêtres, pour le dire comme ça, ou en tout cas, voilà, comment on porte l'histoire de nos familles et à travers nos corps, notamment. Nous possédons des super pouvoirs qui se manifestent pour nos 15 ans. Chacun développe des pouvoirs propres à lui-même, selon sa personnalité et ses désirs. Tout ça a commencé au premier confinement en 2020. Enfermé, impossible de sortir. C'était un vrai choc pour elle d'être hospitalisée, de ne plus pouvoir bouger, emprisonnée de ses mouvements. Le problème, c'est que les gens me prennent pour une sorcière. Alors je me suis fait hospitaliser au cadre. Les textes et les photographies réalisées sont exposés dans l'espace culturel Porte 10 de l'hôpital Charles-Nicolle jusqu'au 30 septembre 2022.